Reprenons depuis le début. S'il y a une idée reçue en béton armé, c'est celle-là. Parce que gérer une chaîne vidéo de vulgarisation scientifique correcte en libre accès pour tout le monde, non seulement c'est un vrai métier, mais en plus ça prend beaucoup de temps et ça mobilise plein de gens. Quand je dis plein de gens, ça veut dire qu'il faut arrêter avec l'image de l'ado boutonneux qui fait fortune en filmant ses loisirs avec son iPhone tout seul dans son grenier. Statistiquement, ça relève plus du mythe, un peu comme le gagnant du super loto qui fait que tout le monde joue. Mais ça arrive jamais, quoi. Parce que non, je peux pas faire le point sur l'objectif en même temps que je parle. Donc c'est Aliénor, la réelle, qui s'en occupe. Pour que le fond soit sympa et cohérent, j'ai besoin de décoratrices et d'Emma, la maquilleuse, pour réduire les dégâts sur les gros plans. Pour que la vidéo soit rythmée, hein, qu'elle soit bien propre, qu'il y ait des beaux effets dedans et tout, j'ai besoin de Julien, le monteur, sans qui ce serait vraiment compliqué. Très important pour pas que je dise n'importe quoi en vidéo, en tout cas le moins possible, pour apporter des sources solides, pour vérifier les infos, il y a Marc, le journaliste. Pour soutenir ma santé mentale face à tant de pression, il y a Tom, mon associé. Et pour organiser et cadrer tout ça, il y a Léa qui court partout. Et encore, il y a Marius et Tom à la musique, Sophia au community management. Ah oui, ça marche, arrive. Enfin, il y a plein de monde, quoi. Alors pour faire court, le soutien du CNC me permet de produire les idées reçues sans perdre d'argent. Merci à lui. Ah oui, d'ailleurs, contrairement à une autre idée reçue fort répandue, ce n'est pas de l'argent public. C'est un soutien à la création financé par les taxes prélevées dans le secteur de l'audiovisuel et des cotisations professionnelles. Quoi qu'il en soit, ce soutien n'est pas éternel. Et il ne permettrait pas de toute façon, seul, de faire évoluer ma chaîne selon mes ambitions, avec toute l'indépendance nécessaire à la bonne qualité des contenus. Et à ce sujet, on n'a encore rien inventé de mieux que le soutien du public. Alors maintenant que toi aussi, tu sais tout des coulisses du YouTube Game, tu te demandes peut-être comment tu pourrais m'aider concrètement. Évidemment, tu le sais déjà, tu peux regarder, partager, commenter mes vidéos comme tu le fais déjà. Ensuite, tu peux me soutenir financièrement en faisant un don ponctuel ou régulier sur ma page Tipeee et inciter ceux que tu connais à le faire. Et si c'est compliqué pour toi le soutien financier direct, eh bien tu peux aussi m'aider en regardant des vidéos sur ma page Clippy via ma page Tipeee. Ça marche aussi. Pour nous aider à consolider cette colonie de tisserins dans la joie, dans la bonne humeur, dans la coopération et loin des contraintes du système, car la suite va être féroce. Et on va y aller tous ensemble. Cui cui. Je sais pas si je vais pas avoir besoin d'une petite retouche, quoi. Ouais. Oui. Je suis là. Je sais pas si les cheveux font pas n'importe quoi non plus. Je suis là.